Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de Until Dawn et on va reprendre où on en était. Moi j'ai fait un jour de pause sur les tournages, surtout sur les tournages de Until Dawn. Excusez-moi, je déplace le micro parce que simplement sinon je vais crever avant la fin de cette série. Ah, on va revoir ce qui s'est passé précédemment. Je vais me rapprocher l'ordi avec l'enregistrement de la voix. Voilà. Oh putain, on doit se casser d'ici. Je comprends pas ce qui s'est passé. C'est un truc de dingue. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Eh oh. Les mecs. Salut, ça va pas. On est sur l'épisode 5, oui, aujourd'hui. On devrait aller chercher les autres. Mac et Jess sont partis se tripoter et personne ne sait où est ça. Je crois qu'elle est au chalet. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça? On y va. Mais regarde, une tour de guet. Ouais, il y avait les cerfs là, on se souvient, on en était là normalement. Ah, j'en sais rien. Voilà, on reprend où on en était. J'avais décidé d'avancer. Quand même. Et pour l'instant, les cerfs reculent. Mais je sens la connerie arriver quand même. Même si ce serait dommage de mourir aussi bêtement. Mais on va rien lui faire. Marche. Doucement. Tout va bien. D'accord. Tout va bien. Je refuse de mettre un coup de hache à un cerf qui m'a absolument rien fait. Jusqu'à preuve du contraire, il m'avait absolument rien fait. Ouais, si on arrive à avoir quelqu'un à la radio, on y arrivera. Il faut leur dire qu'on a besoin d'aide. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? On rentre au chalet et on réunit tout le monde. Oh non, pas le chalet. On pourrait rester ici. On sait jamais, au cas où quelqu'un voudrait nous contacter. Faisons d'abord marcher cette radio. Oh là là. Oh, je vois plus rien. Non, sans deck. Je vois pas, c'est quoi? C'est une lumière de sécurité. Un détecteur de mouvement. Ouais. C'est vraiment bien foutu comme jeu. En fait, c'est juste dommage, une chose. C'est que c'est pas en fait très très fluide. Ça tourne même pas à, en fait j'ai l'impression que ça tourne même pas à 30 images par moment, c'est même moins que ça. Et au cinéma c'est pas gênant, on sait qu'au cinéma c'est 25 images. Mais dans un jeu c'est un peu gênant quand même. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça un peu gênant dans un jeu. Tu peux pas te dépêcher de grimper. Allez, on grimpe. Alors, on va revenir à un temps d'épisode classique, c'est-à-dire plus dans les 40-45 minutes. C'est rafale de vent. Allez, on est presque dedans. Parce que même avec mon nouveau format, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus légères. Je pourrais faire une heure, mais je trouve que ça fait un peu long. Comme l'épisode précédent, 1h05. Je trouve que ça fait un petit peu long, donc on va rester à 40-45 minutes. Ça me paraît plutôt pas mal.
Même pour les gens qui regardent, je pense que 40 minutes, c'est un peu mieux, ça fait un peu plus court, on a le temps de le regarder, alors que plus d'une heure, c'est compliqué. Il y a d'autres trucs qu'on peut regarder. Désolée, Anna, personne t'a retrouvée. Vu ce qui se passe ce soir, leur disparition me paraît moins étrange. Ouais. Il y a forcément quelque chose, oui. Et je pense que c'est cette boîte. Non, faut pas tirer parce que l'autre il va venir si on tire. Il va voir qu'il y a du monde ici, il va se pointer. Imagine toi, il y a un tueur qui se balade dans le coin, un psychopathe, là tu tires une fusée de détresse en l'air comme ça. Je crois que c'est qui va venir si tu fais ça. C'est qui putain. C'est qui, je parle bien français moi. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup que ça gêne pas parce que quand j'entends comment parlent les gens, la vie en général, voilà, j'ai mal aux oreilles. Génial. Mais... C'est bon. Bien joué. Ok. Un point pour Matt et Emily. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour Bess. Ouais. Toujours à l'appel, Bess. De police du comté de Blackwood. Allô? Y a quelqu'un? Allô? Dites quelque chose s'il y a quelqu'un. On a besoin d'aide. Terminé. Merde. Allô? Un bon sang. Merci. On a besoin d'aide, s'il vous plaît. Bonjour, vous essayez de nous contacter? Ici les gardes forestiers de la région de Blackwood. Nous ne captons pas bien votre signal. Parlez lentement et clairement. Terminé. S'il vous plaît, par pitié, aidez-nous. On est bloqués à Blackwood Mountain. Et il y a un cinglé. Si vous nous entendez, répétez votre message. Nous ne comprenons pas ce que vous dites. Au secours, aidez-nous! Allô? Identifiez-vous, s'il vous plaît. Terminé. Oh putain, ok, je suis. Je m'appelle Emily. Allô? On ne vous entend pas. Veuillez répéter, terminé. Nous sommes à Blackwood Mountain, près du chalet. Et il y a un tueur qui nous pourchasse et il a déjà tué un de nos amis. N'aie pas vraiment pitié de nous aider, s'il vous plaît. Voilà, on peut pas lui reprocher d'être dans cet état. Hein. Le détecteur s'est déclenché. Ça doit être un de ces putains de cerfs. Oui, madame. Ne bougez pas de là où vous êtes. Nous enverrons les hélicoptères vous chercher dès que la tempête sera calmée. Quoi? Quand? Bientôt? À l'aube, au plus tôt. Oh. Terminé. Putain. Oh, mais Emily!
merde. Bouge pas. Oh. Il est encore là, lui. Putain. Elle est encore là aussi. J'arrive. M, c'est plutôt instable par ici. Matt, tu dois faire quelque chose maintenant, putain. Qu'est-ce que t'attends? Je réfléchis. Arrête de réfléchir, crétin. Sors-moi de là. Emily, t'es sous choc et tu dois te calmer. Hein? Ça va aller. Ah, mais arrête de parler, j'en peux plus. Arrête de me crier dessus et laisse-moi gérer, ok? Ouais, bah vas-y, prends ton temps. C'est pas comme si j'allais bouger, de toute façon. Et à vos ordres, princesse. Maintenant, est-ce que tu pourrais me sortir de ce merdier? Pitié, 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 Matt, fais quelque chose. Oh non, on va là essayer de la sauver quand même. Je voudrais pas que ça tombe. Bon bah je crois que je les ai condamnés tous les deux là. Pour elle, je crois que c'est foutu, hein. Désolé mon gars. Je pense que c'est foutu. On va avancer. Dégage. Dégage. Lâche-moi. Lâche-moi. Bon, pour le coup, je pensais pas que ce soit aussi rapide. Bah putain. Elle était pas là? J'en sais rien, je l'ai pas vue. Elle a dû venir par ici. Je l'ai pas vue non plus. Merde, mais qu'est-ce qui se passe par ici? Bah ouais, d'ailleurs, on sait toujours pas où elle est, elle, parce qu'il l'a... Je voulais te dire, ce qui s'est passé dans l'abri.
Marie, je sais à quel point c'est dur. Josh était ton ami. Ashley, stop. Non, je veux dire, enfin... Merci. Merci de m'avoir sauvé la vie. Et je pouvais faire quoi? Laisser quelque chose t'arriver? Je pouvais pas. Ash, tu vas bien? Ouais, c'est juste... Je sais que toi et Josh étiez proches. On retrouve Sam, ok? Là, c'est tout ce qui compte. Mais c'était si atroce! Ashley, arrête! S'il te plaît, je veux pas repenser à ce qui s'est passé. Chris! On doit trouver Sam! Allez. Je suis désolé, là, je parle pas beaucoup, mais... Je vais profiter aussi du... Qu'est-ce que c'est? Je voulais profiter aussi de la bande-son et tout. Possible. Parce que c'est... C'est vraiment un point important du jeu. Attends deux secondes. Est-ce que t'as vu ça? Est-ce que j'ai vu quoi? Ça, Chris, ça! Ça veut dire quoi, ça? C'était comme une forme transparente, comme un fantôme. Mais non. Tu me crois pas, j'ai dit que je l'avais vu, ça vaut vraiment rien pour toi. On a vécu un enfer ce soir, d'accord? Tu es au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau. Je ne crois même pas à ce que j'ai vu. Non, tu te trompes, je l'ai vu et j'en suis sûre, merde! D'accord. Peut-être que t'as vu quelque chose. On garde notre calme. On est en train de devenir dingue ou quoi? Écoute, c'est le seul endroit où peut être Sam. Je voudrais qu'on aille chercher tous les autres et... Et si Sam a besoin de nous? Si elle a des problèmes? Oh non! On bouge. Ouais, mais le truc, c'est que Sam, il l'a endormi. Mais il a rien fait, enfin on a rien vu de spécial, il l'a endormi. Alors est-ce qu'il va faire une épreuve à la con encore où il va falloir choisir, ou je sais pas, un truc de ouf là. Je sais pas trop. Mais j'ai pas tellement hâte de savoir. Parce que choisir entre la vie d'un ou de l'autre, moi ça me plaît pas trop, clairement. C'est pas le genre de dilemme que j'aimerais avoir dans la vie. Enfin, ça dépend entre qui et qui, évidemment. Oh, c'est quoi encore ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Oh putain, j'ai eu peur. Tu t'es cogné dessus, hein? Tu l'as touché, c'est ça? Je crois pas, je veux dire, je sais pas. Comment ça a pu devenir aussi pourri ici? Les portes qui claquent, les bougies qui s'allument toutes seules. Et ce spectre où je sais Ashley, pas quoi. Je crois que tu sais pas vraiment ce qui se passe ici. Blanche, on va avancer, allez, de toute façon, il y a un truc qui va me sauter à la gueule à un moment donné, donc... Qu'on hallucine. J'imagine rien du tout. Ouais, j'ai vu des choses, moi aussi. J'ai vu ce qui est arrivé à Josh dans l'abri. Et c'est ça qui m'inquiète. Oh, Chris. Je sais. Tu sais ce qui m'inquiète vraiment? Ok, je m'inquiète pour Sam. Qu'est-ce qui lui est arrivé s'il y a un psychopathe dans le coin? Alors, elle est peut-être morte. Non, dis pas ça. S'il te plaît, Chris. On fait quoi? Faut qu'on retourne là-bas. Non, la porte est fermée. Clairement, on peut pas aller par là. Ah, il y a un truc là. Attends un peu. Oh. Attends, qu'est-ce, le fantôme? Quoi? Tu l'as pas vu? Non. Tu regardais ton portable, abruti. Qu'est-ce que tu tweets là? Hashtag, y a un putain de fantôme à nos trousses. Ash, calme-toi, ok? Il n'y a aucun fantôme ici.
Fantôme de quoi? Bah celui-là, il est pas vraiment à vos trousses, je pense. Ça doit être le fantôme d'un des... d'une des filles. J'ai vu un fantôme, il ressemblait à Anna, il ressemblait à Anna. Attends, quoi? Elle en rappelle. Sérieux, Ash? Tu crois vraiment qu'elle nous suive depuis la séance? Je sais pas, peut-être. Eh ben non, parce que... les fantômes n'existent pas, ok? Ok, alors qui nous parlait à la séance, hein? Je te le demande. J'en sais rien. Mon gars, tu penses toujours que les fantômes ça n'existe pas? Ah, une clé. Oh putain, c'est là, regarde là-bas, please, dis-moi que tu le vois là maintenant. C'est... Alors? C'est... Tu le vois, non? Je sais pas, c'est juste... c'est juste dingue. Chris, il nous montre la voie. Donc la clé, elle sert pas à cette porte-là, d'accord. Ça fait flipper. Regarde, cette petite clé. Qu'est-ce que je disais? Le fantôme nous aide. Ça fait flipper. Wow, qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, on dirait... Non, pas on dirait, c'est vous. Quand vous attendiez Anna, l'an dernier. Mais c'est trop précis, c'est exactement où j'étais, et pareil pour Matt. Quelqu'un a dû faire ça, il était là. Quelqu'un, ou quelque chose qui nous observait. C'est peut-être un avertissement, quelqu'un a dû... Je crois qu'on a mis ça ici pour nous faire peur. Non, c'est forcément le fantôme, il veut nous dire que le taré a tué Anna et Bess. Je crois que c'est cet enfoiré qui veut nous voir péter les plombs. Et pourquoi est-ce qu'il ferait tout ça? Il veut nous dire qu'il va tous nous buter, c'est tout. Oh. Non. C'est le journal d'Anna. Ils sont partis, il a fait ta hache, je déteste devoir attendre jusque la hache, Matt et Sam. On dit oui, pas de réponse de Mike. Mon Dieu, Mike a confirmé, il a appelé Josh cet après-midi. On va tous se retrouver la fête. À la montagne, ce sera de pure vacances. On va tous se retrouver dans la montagne, ce sera pure vacances au coin du feu, jacuzzi, il y aura Mike, je suis tellement pressée de le retrouver. Je suis tellement pressée de le retrouver. Je peux pas lire ça. C'est trop triste, Chris. Ouais, elle était vraiment amoureuse de celui-là, quoi. C'était quoi? Ça venait de là-bas. La porte assez ouverte. Faut aller voir. D'ailleurs, lui, on sait toujours pas où il en est. Il y avait eu l'explosion, on se rappelle, avec Mike. Donc on sait toujours pas où il en est. Wow! Nique ta mère! Déjà bien glauque, mais alors là... Oh putain. Ça me fait penser à le Silent Hill Pity, là. Espèce de démo chelou, là. T'avais des trucs comme ça qui te sautaient à la gueule, des fantômes, là. Eh ben, y a carrément une autre salle, ici. Elle est immense. Chris, je sais pas si je veux continuer. C'était le truc bien fait pour moi.
blague. Tu savais ce qu'il y avait là? Ça, on dirait un autre hôtel. Je savais pas que c'était là. Je pourrais pas supporter ça plus longtemps. Ouais, c'est vrai. J'atteins mes limites, moi aussi. Tout ce que je voulais faire, c'était oublier ce qui s'est passé l'année dernière et... Franchement, pas sûr qu'Anna savait ce qu'elle faisait. Ouais, enfin, tu sais ce que c'est quand on est à fond sur quelqu'un. Génial, donc en gros, tu me dis qu'on a placé une amie vulnérable dans une situation atroce et à cause de ça, elle s'est enfuie et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. À sa place, tu crois pas que tu te serais enfuie? Enfin, t'aimerais pas qu'on se moque de toi? Personne ne se moque de moi. Pas devant toi. Hein? Chris, on l'a fait passer pour une conne. Devant tous ses amis et le gars qu'elle aimait. Je peux pas imaginer faire pire à quelqu'un. Ouais. Oh non. C'est quoi? C'est le bracelet de Sam. Et je sais qu'elle l'enlève jamais. Faut qu'on la retrouve. Et vite. Donc si le fantôme c'est vraiment toi, Anna, est-ce que tu pourrais éviter de me foutre les boules? Il est hors de question que j'aille plus loin dans ce putain de cauchemar. Ashley, je te comprends, tu sais. Moi aussi j'ai les jetons, mais si Sam est là toute seule avec un taré, et si on se tire, eh ben c'est comme si on l'a tué nous-mêmes. Ah putain. Ashley, allez. Pourquoi t'as toujours raison? J'ai pas toujours raison. Ouais, quand t'as raison, t'as raison. J'aimerais me tromper et partir moi aussi. Non, il faut qu'on retrouve Sam. En route. Bon, je pense que là, en faisant ça, je les ai peut-être condamnés aussi, hein. Chris, je commence vraiment à avoir un mauvais pressentiment là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, il y a un truc qui colle pas. Qu'est-ce qui colle pas? Rien ne colle, le psycho, tous les trucs de fou qui se passent ici. C'est juste que j'ai l'impression qu'on a raté quelque chose. Un truc qui relierait tout ça. Ah, je vois ce que tu veux dire, mais enfin... Pour trouver ce que c'est... Ouais, t'as sûrement raison. Allez, on avance. Je suis pas serein, je vous avoue. Ah, allez. Pas serein du tout, même. Quand on arrive en bout de couloir comme ça, je me dis toujours ça va me sauter à la gueule. Surtout là, on voit pas ce qui arrive. Mon Dieu. Bon, il y a le truc de l'effet papillon qui s'est affiché, j'ai dû modifier quelque chose, donc je pense que je les ai condamnés, clairement. C'est nous. C'est quoi ça? C'est une liste noire? Merde. Surtout qu'il y a... Il y a Amy, enfin Emily... Et là, les deux yeux barrés sur la photo. Oh merde. Ça veut dire que le mec, il a eu le temps de les buter et il est déjà là. Du sang ? Peut-être celui de Sam. Je vais essayer d'ouvrir ça. Ah, ça y est, mais putain, c'est lourd ! Fais gaffe. Faut que tu passes, Ash. Je tiens plus. Ah, Chris. Allez, grouille-toi. Je crois que j'ai vu Sam juste là-bas. Ash, t'es sûr? Je sais pas, mais il faut qu'on aille voir. Ah,
Moi, je pense que tout le sang vient de là, ok? Alors on doit vraiment se manier maintenant. Ok, ok, t'as raison, j'arrive. Ouais, il y avait le mec qui bougeait hein, derrière. Bah, il est là. Bon, allez, on avance. Il va me buter. Oh, c'est à Sam. Ouais, c'est les fringues de Sam, c'est. Malsain. C'est vraiment malsain. Donc, l'autre malade est passé ici, c'est sûr. Tu crois qu'il est encore là? J'espère pas. Qu'est-ce que ce truc fait là? La question en or. Bah c'est... Tu crois qu'il est passé là? Il est là. Clairement, hein. Les mouvements qu'elle a vus, c'était lui, hein. Sam? Pour le coup, je pense qu'il y aura même pas de jeu. Oh, Chris. Oh, non. Oh, et... Sam? Elle est morte. Oh putain, non, non, elle est pas morte. Comment tu le elle sais? Elle respire encore. Mais putain, qu'est-ce qu'elle a? Elle est évanouie. Oh non, oh, non, 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 ça craint, ça craint oh, trop. Derrière vous, les gars. Bon. Oh, merde. Oh, ce qui est ouf, c'est qu'il les a pas tués encore. Ash. Ni elle, ni Sam, ni, ah. Ni lui. Merde, je vais lui défoncer sa putain de gueule. Qu'est-ce que c'est? C'est lui. Non, Chris. C'est le type qui a tué Josh. Oh, merde. Non. Non. Connard de tueur de merde! Putain, non! Il y a un flingue sur la table là, non? Je rêve? Oh putain, il va falloir faire un choix. Je veux dire qu'il va falloir s'épargner ou la. Enfin, il va y avoir un truc comme ça à faire. Soit la buter elle pour se sauver, soit se buter pour la sauver. C'est trop tard, Chris! Arrête ça! À quoi, dis-moi! On a toujours évité le sujet, et là, je me dis. On a tout gâché! Ashley, on a rien gâché! Qu'est-ce que tu veux dire? Chaque seconde que j'ai passée avec toi, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mais qu'est-ce que tu racontes, Chris? Je regrette. J'aurais dû t'avouer mes sentiments. Non, Chris. Ashley, je te jure, dès qu'on s'en sort. Oh non! Ah, regarde, il y a un flingue sur la table. Là, il va falloir choisir. Gentil petit cobaye. Non. Oh, que si, Josh. C'est maintenant qu'on s'amuse. Chris a déjà pris une décision importante aujourd'hui. Et maintenant, il doit en prendre une autre. Chris, tu peux prendre le pistolet devant toi et tuer Ashley. Ou te tuer avec. Celui qui reste, reste en vie. Le choix t'appartient. Ne fais pas l'idiot. Si je fais rien, les deux crèvent. C'est pas ça, Chris. Faut que ce soit moi. J'ai déjà sauvé la vie. Oh, putain. Laisse-moi choisir cette fois. Laisse-moi te sauver. S'il me reste une chose à faire dans ma vie, laisse-moi faire ça. Chris, je t'en prie. Oh, pitié. Et si je fais rien, tu vois quoi? Non. Les deux meurent. On va rien faire pour voir ce qui se passe. Je pense que si je fais rien, les deux vont mourir. Non. Bon, je pense que les deux sont morts du coup.
Vous êtes allé trop loin. Ne le voyez-vous pas? Hein? Ne comprenez-vous pas que cette torture a duré assez longtemps? Non? Qu'est-ce qui vous donne le droit de jouer les démiurges avec la vie de ces gens? En quoi êtes-vous si différent? Hein? Vous avez des trucs à la sauts un peu. Enfin, j'ai pas regardé les sauts, mais je connais un peu l'histoire. Mais qu'est-ce que vous leur avez fait? Hein? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Psychopathe! Une espèce de psychopathe! Pardon? Ben, j'ai condamné les deux, je crois bien. Hein. Oh, c'est bizarre. Ouais, c'est pour faire des essais. Après, si vous refaites le jeu de votre côté, évidemment, moi je fais ça, c'est pour les vidéos. Si vous voulez refaire le jeu de votre côté, faites-le et puis faites pas les mêmes choix que moi. Et vous aurez totalement d'autres fins, d'autres actions, d'autres trucs. Moi, c'est vraiment voilà, pour essayer pour la série. Merci, on a besoin d'aide, s'il vous plaît. Mais il reste plus grand monde en vie en fait, hein. Là on a lui. On sait pas où est-ce qu'il en est là. Il y a Sam, jusqu'ici, bah elle est toujours pas morte, hein, clairement. Il reste 4 heures. Debout. Ah bah il est là. Est-ce que c'est toi? Quoi? Quoi? Viens par ici. Allez, crame ça. Oh putain, c'était serré. Oh putain, Mike, heureusement que tu m'as trouvé. Tout va bien. Tout va bien. Ça va, toi? Oh putain, tes doigts, Mike. Ouais. Ouais, je m'en sors bien. Mais merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a un putain de psychopathe là, dans la montagne. Il... Je crois qu'il veut tous nous tuer. D'entre elles, il y a Josh qui se fait tuer. Genre, déchiré par cette putain d'énorme scie. Oh, bordel. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Il y a une porte là. Elle s'ouvre pas. Tu peux l'ouvrir de ton côté. On va essayer, on va bien voir. On va continuer un petit peu. Je me suis gouré dans la manip. En tout cas, la play, elle chauffe un peu avec ce jeu. La serviette, c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathes. Mike, tu permets? Oh, oui. Oui, pardon.
c'est fait. Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord. C'était quoi? C'est... quelqu'un qui pleure. Non! Non, non, non! Dégage! Oh, Chris. Oh, Chris. C'est quoi ça? Donc du coup, je ne vais pas condamner... Enfin, sûrement, mais... Ils sont toujours pas morts. Oh. Bah elle est pas morte, oh, elle. Putain. Oh, bordel. Matt. Matt. Oh, mon sang. Merde. Oh, merde. Oh, bordel. Oh. Putain, ce serait lui le psychopathe. Peut-être qu'il leur en veut parce que c'est... Clairement, ses sœurs, elles sont mortes à cause de d'eux, hein, de leur blague de merde. Hein. D'accord. Non ! Oh merde ! Mais ce qui est fou, c'est qu'elles ont bien été tuées avec un mec comme ça. Enfin, elles sont tombées dans le trou, mais elles ont été poursuivies par ce mec. Donc c'était déjà lui à ce moment-là. Ça me paraît fou. $100 dans le vent. J'espère que ça vaut le coup. J'étais superbe dans ce haut. Voilà. Ça, c'est cool. Ouais, je sais pas. Ça me paraît ouf. On est à 43 minutes, là. Ça me paraît ouf que ce soit lui, mais en même temps, ouais, y a des explications potentielles. Ils ont buté ses sœurs quand même avec leurs conneries. Mais ce qui est fou, c'est que ses sœurs, elles sont mortes parce qu'il y a un mec qui les a poursuivis. Et que ce mec qui les a poursuivis, ça veut dire que c'était lui. C'est ça qui me paraît fou, moi. Donc je sais pas. On va bien voir, hein. Puis là, en plus, il se dit l'autre, il avait un choix à faire, il a préféré me tuer. Ouais. Oh putain, on va tomber... Et à un moment donné, on va peut-être tomber sur le corps de l'autre planté quand même. On va bientôt s'arrêter. Aller là-haut.
passe des choses cheloues encore une fois ici. C'est quand même dommage qu'elle meure après avoir survécu à tout ça. Hein. On va s'arrêter là pour cet épisode 5 et on reprendra au même endroit dans un prochain épisode. Je vous remercie, je vous dis salut à toutes et à tous et à la prochaine.